Mais écoutons d'abord les témoignages. Let us first listen to testimonies. Si tu as été malade pendant plus d'une semaine, if you have been sick for more than 1 week, au moins une semaine de maladie, at least 1 week of sickness, et Jésus t'a délivré, and Jesus has delivered you, viens rendre témoignage. Come and give your testimony. C'est une maladie qui a duré 10 ans. If it is a sickness which lasted 10 years, et Jésus t'a guéri, viens rendre témoignage. And Jesus has healed you, come and give your testimony. Une semaine, 1 week, un mois, deux mois, un an, deux ans. 1 year, two. Maintenant, si Jésus t'a rendu prospère d'une manière évidente que l'argent est dans tes poches, c'est pas que c'est une vision, que c'est déjà dans tes poches, viens rendre témoignage. Now, if Jesus has made you rich and it's evident you have money in your pocket, come and give your testimony. C'était d'abord en vision, maintenant c'est dans tes poches. It was first in a vision and right now it is in your pocket. Viens vite rendre témoignage. Come quickly give your testimony. Si Jésus t'a béni avec la prospérité, if Jesus has blessed you with prosperity, viens. Come. Pendant que tu écoutes, while you are listening, un témoignage, for a testimony, il faut ouvrir ton esprit. Open your mind. Tu peux dire à Jésus, you can tell Jesus, tu l'as fait pour mon frère. You did it for my brother. Fais aussi pour moi. Do it for me. Tu seras exaucé. He will answer you. Tu seras béni premièrement parce que tu as cru à ces miracles. You'll be blessed first because you believed to this miracle. Au nom de Jésus, tu as cru. In the name of Jesus, you believed. Et Dieu te bénit. And God is blessing you. Il est écrit, it's written, sans la foi, without faith, il est impossible de lui être agréable. It is impossible to please him. Sois agréable à Dieu. Be pleasing to God. Crois que c'est lui qui agit. Believe that he is the one at work. Il peut le faire pour toi. He can do it for you. Et il va le faire. And he will do it. Et il veut le faire. And he wants to do it. Il veut et il peut. He wants and he can. Ça te rassure déjà. This assures you already. Équipe de délivrance. The team of deliverance. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Nous voudrons dire merci à notre Dieu, au niveau de l'équipe de délivrance, pour tout ce qu'il a fait pour la journée d'hier. Hier, le Seigneur a opéré de grands miracles. La pluie n'a pas empêché le Seigneur de travailler. Et comme témoignage, nous allons rendre deux témoignages. Un témoignage au bord de l'eau quand on baptisait la personne et un autre témoignage qui s'est passé ici pendant la période de la prière de combat spirituel. Le premier témoignage, la personne a donné sa vie à Jésus. Quand le pasteur a pris la parole, quand les frères m'ont partagé, j'ai dit, allez-y rapidement la baptiser. Donc pendant que le pasteur parlait ici, quand tu es vers le pont, au bord de l'eau, tu entends parfaitement le message parce que le son des baffes arrive jusqu'au niveau du baptême. Quand les frères sont arrivés, la sœur était en train de faire une prière de consécration à Dieu. Et les démons se sont manifestés. Le chef des démons a dit, ils sont 150 personnes. Et comme c'est une équipe dynamique au niveau de l'équipe de délivrance, les frères ont chassé le démon. Et le démon est parti avec tous les autres membres, les 149 personnes. Donc, plus lui-même, ça fait 150 démons chassés au bord de l'eau hier. Yeah. Oui, c'est ce que je voulais que tu précises. 150 esprits. Non, 150 esprits. Alléluia. Ici, pendant que le pasteur Meunier conduisait la prière, nous avons reçu une sœur. Physiquement, elle dit par le passé,
Elle avait fait un rêve. Dans le rêve, elle s'est retrouvée au milieu d'une multitude de personnes. Certains ou certaines personnes avaient des machettes, d'autres des gourdins à la main. Ceux qui avaient les machettes, ou ces personnes, celles qui avaient les machettes, ont soulevé la machette. Celles qui avaient les gourdins ont soulevé les gourdins. La sœur, dans le rêve, pris de peur, elle s'est réveillée physiquement maintenant. Donc hier, pendant la prière, quand elle est tombée, quand elle a manifesté les démons, arrivée à notre niveau, nous avons beaucoup intercédé. Et le Seigneur Jésus l'a délivrée. Plusieurs esprits se sont manifestés. Il disait, ou l'esprit, le chef en question disait, ils sont beaucoup. Pour nous narguer au niveau de l'équipe de délivrance, il disait, vous êtes petits. Est-ce que tu connais notre nombre? Frère, comme nous connaissons la parole de Dieu, on a juste dit, est-ce que toi aussi tu connais le nombre des anges qui sont dans l'armée céleste de Jésus? Si tu peux les compter. Quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5, le verset 11 et le verset 12, il dit quoi? Ce sont des myriades et des myriades, des milliers et des milliers d'anges qui sont au service du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons dit, nous mettons une seule épée dans la main de chaque ange pour vous foudroyer, pour vous frapper, les démons commencent à crier, ya, ya, ya. Et la sœur a été authentiquement délivrée. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand elle est revenue à son bon sens, voici ce qu'elle nous a partagé. Elle venait d'un voyage, elle était seule, pendant qu'on priait. Elle est arrivée à un endroit où elle a vu des personnes qui avaient des machettes à la main, des gourdins à la main. Donc ça nous ramène maintenant le songe que je viens de vous conter, dont elle avait fait physiquement. Donc elle dit, c'est à ce lieu-là qu'elle est arrivée. Donc elle a retrouvé ce groupe de personnes et elle s'est retrouvée au milieu de ce groupe de personnes. Il n'y avait plus de passage. Pendant ce temps, on intercédait. Elle dit, du coup, elle a vu des gens en habit blanc qui sont descendus dans le lieu, qui ont commencé à frapper, foudroyer, tailler en pied dans tous les sens. Alors, le chef qui disait, est-ce que vous nous connaissez? Nous sommes beaucoup, vous êtes même petits. Elle dit, à un moment donné, il a dit, c'est que vous êtes fort, vous êtes fort. Allez, quittez le sujet. Laissez le passage, elle va partir. Ses frères sont venus à son secours, laissez le passage. Elle dit, c'est là qu'elle a vu un passage, un boulevard. Elle a commencé à marcher, elle a commencé à marcher. Et elle s'est retrouvée triomphalement chez nous, physiquement maintenant. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Avec des cris de victoire. With shouts of victory. Pendant qu'elle marchait, elle dit, quand elle est sortie au niveau de ce groupe de personnes, quand elle est sortie, elle a senti une masse d'une couleur sous forme de glace, dont les pieds était bien glacée, de la cuisse jusqu'à la plante des pieds. Donc, quand elle est sortie de ce groupe de personnes, la masse au niveau des pieds s'est dissipée. Elle a retrouvé ses membres inférieurs. Jésus-Christ. Jesus Christ. Elle a commencé à marcher maintenant avec ses vrais pieds. Sinon, au départ, c'était très difficile. Elle dit, pour marcher, pour arriver là où le groupe de personnes était, c'était très difficile. Parce qu'elle sentait que ses pieds étaient dans la grâce. Donc elle venait d'être délivrée de l'esprit de mort et de beaucoup de démons. Et aujourd'hui, elle respire la grande forme. Elle a été authentiquement, radicalement libérée, délivrée, désenvoûtée. Jésus-Christ. Jesus Christ. Alors, comme rapport pour la journée d'hier, nous pouvons dire les personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons, nous avons enregistré 26 personnes. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Au niveau des démons chassés, pour la journée d'hier, nous avons enregistré 198 démons chassés. Les personnes guéries instantanément. Vous savez, même pendant les témoignages, les démons se manifestent. Les frères sont toujours à pied d'eux. Donc, c'est toutes ces personnes, toutes ces guérisons enregistrées. Donc, nous avons enregistré 90 guérisons instantanées hier. Au niveau des baptêmes, au niveau de l'équipe de délivrance, nous avons baptisé 21 personnes hier. Notre joie est très grande et nous voudrons dire merci à notre Dieu pour tous ces miracles qu'il a opérés dans la vie des saints, dans la vie de ses enfants. À lui soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lucine Ba. Je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus qui m'a guéri authentiquement de mon genou. En 2000, j'ai pris les escaliers du lycée technique à Djamé. Le pont piéton là, les escaliers qui sont là, j'ai pris. Mais comme là, j'ai un peu peur, il y a un fumoir à côté là. Donc je marchais vite pour descendre les escaliers. Mais de toute façon, je suis tombée sur les escaliers là. Ha. Mon genou, je suis tombée sur mon genou. Ça ne m'a pas fait mal là, je n'ai rien senti. Mais troisième jour après, jusqu'en 2020, jusqu'en 2023, quand je dors la nuit, pour me tourner même là, c'est avec douleur, c'est avec cri. J'attrape mon genou et puis je tourne. Je pleure à chaque fois. Et mon genou a changé de forme. C'est devenu gros comme ça. Je m'en vais vers l'hôpital, je prends les médicaments, rien. Et mon genou, on dirait, il y a une poche ici, c'est mou comme ça, gros comme ça. Donc je suis partie à l'hôpital, on me dit qu'il y a un liquide dedans, qu'on va enlever le liquide, on va injecter. Moi, je n'ai pas l'argent. Je dis, Seigneur, si tu m'as guéri en 2000 avec de l'hépatite B virale, tu peux me guérir, tu peux guérir mon genou. Quelqu'un me dit, ah, Tiekwa va commencer, il faut partir. Je dis, moi, je n'ai pas l'argent. Il faut partir. Et je suis venue à Tiekwa. Quand je suis venue à Tiekwa, je dis, moi, je ne vais pas partir, il y a m'asseoir en bas là-bas pour dormir. Une voix me dit, rentre dans la chambre de prière. Quand tu vas commencer à prier, je vais te guérir. Elle dit, mais moi, je ne peux pas trop marcher. Je ne peux pas partir dans la chambre de prière. Et comme ça, il y a une force qui m'a soulevé. Je suis venu dans la chambre de prière. Quand j'ai prié le premier jour, il a fait 2 heures. Quand je me suis levé très bien. Elle dit, on dirait à faire l'intéressant. Deuxième jour, j'ai fait 4 heures. Je me suis levé. Deuxième jour jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne sais pas à quel moment genou là même est guéri et puis la douleur liquide même est partie. Donc, j'ai fait 6 heures. Je prie. Quand je me lève chez moi, je viens dans la chambre de prière. Je reste jusqu'à tant que l'heure ne commence pas ici, là, je ne viens pas ici. Donc, je dis merci au Seigneur Jésus qui m'a guéri. Au front d'acclamation. Amen. Guérison authentique. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Cana Philomène. Mon frère de d'ici où c'est passé, il y a des juniors. Gloire à Dieu. Jésus m'a guéri. Maladie, il sait. Je ne pense pas que je l'ai guéri de ça. Parce que depuis longtemps, je souffre de ça. 2014, j'ai soigné, il sait. Pas fini, j'ai laissé. Si on dit médicament, 10 000, je paye. Si on dit médicament, 15 000, je paye. Je bois. Zéro. Quand on est venu à 2022, papa a dit qu'on n'a qu'à donner 10 sujets de prière. C'était mon premier sujet. Que Dieu n'a qu'à me donner, guérir maladie ulcère. Parce que ulcère, si tu as ulcère, tu ne peux pas manger rassasié. Si tu as faim, c'est problème. Donc ça me fatiguait. Je me force pour jeûner, sinon tu ne peux pas jeûner. Gloire à Dieu. On est venu prier, c'était mon premier sujet. On a prié. Mais Dieu même m'a guéri, je ne savais pas que j'étais guéri. Gloire à Dieu. Quand on est venu en 2021 ici, j'étais là. Un jour, Dieu m'a rappelé que je suis guéri de ulcère. Acclamation. Ça va t'arriver. Clap, it will ça va t'arriver, to you. Ça va t'arriver. Gloire à Dieu. Et sous devant vous pour dire. Gloire à Dieu. Et sous m'arrêter devant vous pour dire que
Il sait que je dis Dieu guérit pas, Dieu guérit. Effectivement, Dieu a guéri pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Raser un seul. Si tu as deux témoignages, tu rends un seul. Non, c'est un seul. C'est un seul. Gloire à Jésus et c'est axé sur le plan spirituel. Ça fait ma deuxième croisade ici sur le site. Depuis que j'ai intégré la communauté, ça fait un an et quelques mois. Et j'ai pour faire disciple mon très bien-aimé cher frère, le pasteur Traillé. Vraiment, j'ai senti une vie spirituelle dynamique que le Seigneur a opérée en moi depuis que je suis là. Ce n'est pas le touchement de ma grande sœur, maman Kenom, que j'ai connu la CMC. Bon, ma femme a intégré avant moi, hein, mais je n'avais pas encore intégré. Quand elle a intégré, elle m'a donné le secours par rapport même au leader, le frère Zach, sa consécration et tout ça, et par rapport à ses écrits, j'ai apprécié. Donc, je voulais aller vite. Et depuis que j'ai intégré la communauté, l'impact spirituel que le Seigneur a opéré en moi, je n'ai pas ressenti ailleurs. Ça, je vous le dis, mes bien-aimés. Et quand le pasteur, notre papa Meunier, a dit que Dieu peut te prendre d'un lieu pour t'amener à un lieu, et je me souviens comme ça, dans l'échange avec mon faisait disciple, il m'a dit, il y a des endroits que Dieu veut. Et quand il faut presser la révélation pour toucher les gens, vraiment, c'est vrai. Tant à jamais que par rapport aux enseignements, tant qu'aux croisades, je reçois que des renforcements et des renchérissements spirituels. Un exemple qui m'a marqué, c'est la formation des disciples, la formation des disciples, la révélation. J'ai écouté, dans le même ordre d'idée, je suis rentré à la maison, je me suis endormi, je me réveille, je prends la Bible, je sens comme des découvertes nouvelles. Des passages qui étaient flous, je vois, c'est comme si des éclaircissements profonds, dynamiques, acclamation dans mon cœur, en même temps avec un renforcement de la voix, une hardiesse spirituelle qui accompagne. Ce que je vous dis là, je vis ça même à présent. Je n'ai jamais vu ça ailleurs, je vous l'ai dit. Il y a la vie spirituelle ici. Notre papa, vraiment, c'est un don de Dieu, que Dieu le bénisse. Ça m'a permis de me rappeler d'une lettre comme ça que maman Kenom m'avait adressée en 2007. Elle m'a dit, vous me souhaitez bonne année, hein? Mais elle n'a pas dit ça dans la bouche, elle a écrit la lettre. Elle dit que le Seigneur se révèle à toi pour le connaître en profondeur, qu'il te permette de le chercher, de le trouver, de le connaître comme lui, Dieu le veut. Il dit, ah, mais elle m'écrit cette lettre-là. Je dois faire, c'est que c'est Dieu qui me parle. Je vous dis, le Seigneur a commencé à réaliser cela ici. Jésus-Christ. C'est pas que je connais tout, mais en un an et quelques déjà, mes amis. Notre papa a un don de Dieu qui soit béni. Le Seigneur m'a permis de conquérir le renversement des principautés et personnes familiales. C'est comme une arme dynamique forte. Ça fait non seulement trembler le royaume de Satan et ça détruit ses œuvres. Offrande d'acclamation à Jésus. Vraiment, je voulais être reconnaissant au Seigneur. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Elo Sylvie. C'est mon mari qui a rendu témoignage tout à l'heure. Je vais. Mon fidèle disciple, c'est ancien Oussou Germain de la Riviera. Je vais dire merci au Seigneur qui a sauvé mon mari et qui l'a guéri d'une manière miraculeuse. Il faut dire que j'ai connu le ministère depuis 2007 et je priais pour lui. Nous étions dans les dénominations. Je priais qu'il intègre la CMCI. Et quand je priais, je lui parlais de Dieu, je l'invitais, il raisonnait. Il disait que lui connaît Dieu. Et vraiment, je priais, mais je ne croyais pas trop. Parce que quand je voyais ses raisonnements, je me disais que comment ça va se passer. Mais de 2007 jusqu'en 2022, quand il est tombé malade, maman Kenom nous a fait appel. Nous a dit de venir chez elle à la maison. Quand nous sommes arrivés là-bas, maman Kenom a... Il y avait RTVC à la maison. Et les chambres de prière. Avec les témoignages, Dieu a commencé à le toucher. Il voyait que ici il y a plus de témoignages que chez lui où il était. Et avec les chambres de prière, avec la vie des frères, vraiment, Dieu a la touché. Et c'est là, il a dit, personne ne l'a forcé, il a dit qu'il intègre la CMCI. Et c'est comme ça qu'il a intégré la CMCI. Acclamation à Jésus. Clap for Jesus. Et il était malade, ils l'ont opéré. Après l'opération, la plaie s'est cicatrisée. Et nous ne savions pas, les médecins, ils avaient oublié compresse dans son bas-ventre. Ils ont cousu. Et à
après, quand la presse est cicatrisée, après ça, il y a un filon qui est sorti à côté. C'était gros comme ça, ça coulait. Et souvent, ils mettaient, comment on appelle, couche des enfants, ils mettaient dessus avant de sortir, sinon ça mouillait tous ces trucs. Et les médecins ont dit qu'ils allaient reprendre l'opération. C'est ainsi que, à Tchekwa, 2022 était arrivé, ça, c'était dans la même période. Il a dit qu'il veut assister au programme, sinon, si on fait l'opération maintenant, il ne pourra pas aller au programme. Donc, nous sommes venus. Après le programme, le lendemain, quand il a appuyé comme ça, voilà le bout du compresse qui est sorti. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Merci. Et au fur et à mesure qu'il tirait, ça sortait long, le sang coulait, il coupait au fur et à mesure. Après quelques jours, et je précise que quand il sentait ça, les médecins, on ne savait pas. Les médecins ont prescrit des antibiotiques, ils l'achetaient, mais ça n'allait pas. C'est après qu'on a découvert qu'il y avait un compresse qui était resté, quand il a appuyé, que c'est sorti. Et au fur et à mesure qu'il a appuyé, il tirait, ça sortait, il coupait. Après ça, il a tiré, le gros lot est sorti. Et ça a laissé un gros trou. Et les médecins ont prescrit les antibiotiques, il a appuyé, c'est fini. Donc je suis infiniment reconnaissante miracle. Au Seigneur pour le miracle qu'il a opéré. Miracle authentique. Parce que si on avait repris l'opération, ça pouvait compliquer, peut-être qu'il pouvait mourir. Mais le Seigneur même a fait le travail. Donc je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen. Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Bansenga Mireille. Mon faiseur de disciples, c'est le frère, c'est l'évangéliste Arnaud de Kumasi. Je voulais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a guéri. Il y a longtemps, je souffrais de l'hémorroïde externe. Arrivé un moment même, quand je vais aux toilettes, c'est le sang. Le sang venait abondamment. Il y a longtemps, je souffre de cette maladie. Le jour 9, nous sommes venus ici à Tchekwa. C'était ma première fois de venir avec les frères. Pendant qu'on priait, papa disait qu'on va chasser les maladies. On priait, il citait les maladies. Mais moi, j'ai commencé déjà par l'hémorroïde. Je suis restée sur le sujet. Le papa a dit, on va prier pour l'hémorroïde en même temps. Donc, il a continué avec lui. Après la prière, j'ai senti comme si je voulais aller aux toilettes. Mais je me suis retenue jusqu'à nous sommes allés à la maison. Quand nous sommes allés à la maison, je suis allée aux toilettes. Il était constipé, mais il n'y avait pas eu de sang. Donc, je suis venue, j'ai dit à ma grande sœur qui était restée à la maison, j'ai dit que moi-même, je vais faire aussi un témoignage à Tchekwa. Elle m'a dit déjà, j'ai dit oui, qu'il ait fait un témoignage. Donc, le lendemain, il y avait aussi un mal au niveau de la poitrine. Je sentais comme s'il y avait une plaie. Elle m'avait acheté un petit cahier, dit de laper. Donc, le lendemain, il y avait une femme aussi qui avait le même symptôme. Elle m'a demandé où est le cahier, va casser. J'ai dit non. J'ai dit, donne-lui tout, parce que moi, je ne sens plus la douleur. Elle dit déjà, j'ai dit oui, que je vais rendre le témoignage à Tchekwa. Donc, aujourd'hui, je suis là pour rendre le témoignage. Tu dis merci au Seigneur. Parce que depuis le jour 9 qu'on a prié ici, le Seigneur m'a délivré authentiquement de la maladie. Au nom de Jésus. Amen. Hémorroïde est vaincu. Dites amen. Toi aussi, reçois ta guérison. You to receive your healing. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gazwa Félicité, disciple du pasteur Laurent. Je veux dire merci à Dieu de m'avoir délivré de la paralysie. Depuis un certain temps, quand je m'assois, à un moment donné, mes pieds s'enflent. Alors que ce que je sais, quand les pieds s'enflent, quand tu appuies, ça s'enfonce. Mais quand j'appuie, pour moi, là, c'est dur. C'est dur. Et quand je me lève, pensant que c'est parce que je me suis trop assise, quand je marche, mes pieds, je les sens lourds. Maintenant, longtemps après, ça passe. Et le 19e jour de la croisade, on priait pour les maladies. On a prié. À un moment donné, papa a dit, priez en langue. Nous étions en train de prier en langue. Lorsque j'ai senti une fraîcheur dans mes pieds étaient devenus glacés. Quand on a fini, il dit, asseyez-vous. Je me suis assise. J'ai fait mes pieds comme ça, je ne sens plus de douleur. Je ne sens plus les lourdeurs. Et une voix me dit, tu viens d'être délivré de la paralysie. Je veux dire merci à Dieu qui fait des merveilles dans ma vie. Amen. Acclamation. Clap. Maintenant, nous acclamons. Now clap.
Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Je suis la sœur C.A. Albertine. J'ai mon merveilleux faiseur, pasteur Junior. Vraiment, je suis reconnaissante devant le Seigneur. Avant, je ne vais pas parler trop, mais je vais faire un peu. J'ai fait des années à la christianisme céleste. À ce diabète, j'avais la maladie de diabète. Vraiment, au céleste, on a soigné. Je me suis dit que c'est le Seigneur, je suis là servi. Oh, c'est faux! Et je suis venu, j'ai croisé les dirigeants de CMCI. Je suis venu à la CMCI. Vraiment, je n'ai pas encore duré. Mais au moment où j'étais au céleste, la diabète, quand je m'avais regardé mon taux de glycémie, c'est 3,99. Mais vraiment, je suis revenu encore à la CMCI. Et j'ai commencé à prier. Vraiment, je ne sais pas ce que merci même je vais dire à le Seigneur. Samedi passé, j'étais venue à Kékoua ici. Vraiment, au moment où le papa disait, priez pour chasser les démons, chasser les satans. Jésus m'a délivré ce moment-là. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Et j'ai des maladies, j'ai mal des dents. Chaque année, j'arrache mes dents. Et cette année, quand je suis venue à la CMCI, en tout cas, je n'ai pas arraché mes dents. Samedi passé, après ma délivrance, je suis partie à la maison. Quand je suis partie à la maison, je n'ai pas les comprimés même que je prenais avant. J'ai tout laissé. Il y a une sœur même qui m'a dit que voilà, médicaments, il faut préparer, mets dans ta bouche. Faut mousser ou tu verses. Il a dit non. Donc vraiment, j'ai vu la guérison des maux de dents. Depuis samedi, je suis quitté ici. Samedi passé, je suis quitté ici. Je suis parti à la maison. Souvent même, je perds viande, je fais sauce. Mais je mange viande même dans la dent qui fait mal là. Ça ne me fait pas mal. Est-ce que tu connais le docteur qui t'a guéri? Do you know a doctor who healed you? C'est le Seigneur qui m'a guéri. Acclamation. Clap. Non, ce n'est pas clair. Et la diabète. Attends d'abord, qui est ton Seigneur? Who is your Lord? Parce que chacun dit Seigneur, Seigneur là. Because mon Seigneur. Is a Lord, Lord. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Oui, ça faisait des disciples. Voilà, diabète, c'était 3 au céleste. Mais où est-ce qu'on faisait des disciples? Where is the disciple maker? Oh, Junior. Oui. Qui l'a guéri? Who is it? C'est le Seigneur Jésus qui l'a guéri. On prend l'acclamation à Jésus. Clap for Jesus Christ. Gloire à Dieu! Je suis la sœur d'Ali Juliette de l'église de Mankono. J'ai pour faiseur de disciples le pasteur missionnaire Kwame Fabrice de la région du Woroba, Séguéla. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri et qui m'a béni. Quel Seigneur? Je suis venu. Quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce monde, chacun appelle son Dieu Seigneur. In this world, everybody calls God Lord. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de seigneurs. And the Bible says that there are a lot of lords. Mais pour nous, qui est ce seigneur là? But for us, Jésus-Christ, offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth. Yeah, avec des cris de victoire. We shout the victory. Avec des cris de joie. We shout Jésus God. De Nazareth. Jesus Christ. Mort à la croix du calvaire à Golgotha. At the cross of Calvary. Asseveli. Ressuscité des morts, le troisième jour, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu très haut, the Son of the Most High God. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis venu sur le site depuis les premiers jours. Et le deuxième jour, j'ai eu une diarrhée pas possible. De 11h, je suis resté couché puisque les dortoirs étaient fermés. Je suis resté couché devant le dortoir de la sœur, la dirigeante Carole Babatunde.
Je suis restée là couchée. J'étais avec l'une de tes filles qui ne voulait pas me laisser. Elle m'a même donné un sachet de médicaments, mais ça n'allait pas. J'étais couchée là. Tout ce qui s'est passé ici, j'entendais, mais je ne pouvais pas me lever. Et jusqu'à 17h, une voix me dit, lève-toi, viens sur le site. J'ai dit, mais si je viens, je vais me lever parmi les frères. Vraiment, je ne pourrais pas. Je ne voulais pas le faire. Mais je me suis levée avec la foi, je suis venue. Sachant que j'avais très mal. Mais je suis arrivée sur le site. Frère, je ne sais pas par quel miracle j'ai été guérie de la diarrhée. De façon miraculeuse. J'ai été guérie. Acclamation à Jésus-Christ. Après la rencontre, je suis partie à l'infirmerie pour prendre des médicaments. Frère, j'ai pris les médicaments, mais je ne les ai pas pris. Je ne les ai pas utilisés. Le Seigneur m'a béni encore. Parce que nous sommes trois dans la maison. Ma petite fille, ma petite cousine et moi. Ma petite fille a eu le CP. Ma petite cousine a eu le BPC. Et j'ai été promise, j'ai été nommée directrice d'école. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je dis merci au Seigneur qui ne s'est pas arrêté là. J'ai ma grande soeur qui est en Europe. Le jeudi dernier, elle m'a appelée. On causait, on échangeait. Et je lui ai dit comme ça que grande soeur, j'ai été promise, j'ai été nommée directrice. Elle dit, ah bon? Mais tu as besoin de quoi comme outil de travail? J'ai dit, nous sommes à l'aide du numérique. J'ai besoin d'un ordinateur. Elle dit, bon, d'accord, j'ai compris. Le lendemain, elle m'appelle. Elle dit, bon, je vais te faire un dépôt. Elle m'a envoyé de l'argent. Elle dit, mais elle m'a rappelé encore. Elle me dit, mais à côté de l'ordinateur, tu n'as pas besoin d'une imprimante. J'ai dit, si, j'ai besoin de ça. Elle m'a envoyé de l'argent. Elle m'a envoyé 305 000 francs qui font 199 170 francs pour mon ordinateur et Jésus mon imprimante. Christ. J'ai dit, merci au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis le frère Paul, je suis le pasteur Omer Kouassi, le missionnaire de Saïwa. Je veux être reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de la masturbation. Alléluia. Il faut dire que, vraiment frère, je suis un Béninois. Il faut dire que j'ai commencé la masturbation à l'âge de 14 à 15 ans. Mais je me masturbais, frère. Je peux masturber matin, midi, soir. Alléluia. Même des fois, même ma partie intime, ça, même des fois, ça devait plaire, mais quand ça te prend comme ça, frère, tu es obligé. Ça me fatiguait. Alléluia. Ça me fatiguait depuis des années, depuis le Bénin jusqu'à... Je suis venu en Côte d'Ivoire en 2019. Je suis à l'église, mais je me masturbais toujours. Mais à chaque fois que je me masturbe, frère, quelque chose me rend triste. Je suis comme si je n'ai pas de parents. Mais un jour, mais quand j'ai l'envie d'approcher au pasteur, au missionnaire, la chose me dit, toi tu n'as pas honte de dire ça là, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis je me retourne, alléluia. Mais un jour, j'ai eu la force, Dieu m'a donné la force, je me suis approché du missionnaire, j'ai dit, oh pasteur Omer, vraiment, il y a un esprit qui me fatigue. Il dit, quel esprit? J'ai dit, ah vraiment la masturbation. Il dit, hé frère, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Frère, depuis que j'ai dit ça, c'est que je suis totalement délivré. La puissance de la transparence. Je suis totalement délivré. Depuis, ça fait près de 3 ans maintenant, je suis délivré. Dieu ne s'est pas arrêté là. Ma femme, elle vivait vraiment, frère. Je suis avec elle, mais je vis comme si je suis dans l'enfer. Alléluia. À chaque fois que je quitte au travail... Frère, mon cœur battait comme ça. Et je vais rentrer dans ces problèmes encore. Alléluia. Mais le Seigneur s'est glorifié. Jésus-Christ s'est glorifié dans sa vie. Frère, le Seigneur l'a délivré authentiquement. Actuellement, vraiment, j'ai la paix du cœur. Même si je ne suis pas à la maison, elle s'occupe des enfants. C'est que, en tout cas, moi-même, je dors paisiblement. Offrande d'acclamation. Je quitte au travail, je m'en vais à la maison tranquillement. Il n'y a pas de discussion. Je vais te reconnaître au Seigneur, que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, amen.